son rôle artistique et révèle une fonction politique. Cette harpe va permettre au roi d'affirmer son autorité. Elle est jouée dans la chapelle, que l'on reconnaît par son chant en latin et par la présence de l'orgue de l'église. Elle est aussi jouée dans l'écurie, que l'on reconnaît par son caractère majestueux et par la présence de cuivre. Dans la chambre, que l'on reconnaît par son caractère festif et par la présence d'un clavecin. Elle accompagne Louis XIV dans toutes ses activités, repas, promenades, chasses. Lully, de son vrai nom Jean-Baptiste Lully, avait beaucoup de talent d'homme de cour et était nommé surintendant en 1661 et a un sens de la musique élargi. Il était un compositeur hors pair et un compositeur de petits airs de violon et c'était un excellent danseur. Binaire ou ternaire? Ternaire. Binaire, je sais pas. Binaire. Attends. Pourquoi binaire? Parce que c'est un binaire. 2 et 2 et 2 et 3.